Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour Excel. Aujourd'hui, nous allons voir une fonction qui peut nous aider à corriger certains problèmes d'espace dans du texte, qui est Supraespace. Alors ici, vous voyez, j'ai fait un petit tableau avec une colonne que je souhaite, donc imaginons, trier. Et vous voyez ici, il y a marqué ordinateur portable. Et pour information, j'ai écrit tout ce qu'il y a de plus normal, aucun problème. Ensuite, j'ai écrit ordinateur portable avec trois espaces devant. Ensuite, trois espaces à la fin. Trois espaces entre ordinateur et portable. Trois espaces partout. Donc, trois espaces avant, trois espaces entre, trois espaces à la fin. Et j'ai remis un peu de texte, comme ça, avec voilà, du AAA normal, B espace à la fin, C normal, etc. Et là, imaginons, je souhaite déjà tout simplement trier. Donc, ce que je peux faire, c'est me dire, je vais trier ma première colonne, je me mets dedans, et je vais aller chercher dans l'onglet accueil, trier et filtrer, je clique, et je peux faire trier de A à Z. Et vous voyez que ce n'est pas tout à fait très bon, vu que ici, il m'a un peu tout mélangé, vous voyez, même ici, le AA est après F, après D, mais avant B, C, E, voilà. Donc, je reviens en arrière. J'aurais pu très bien trier avec un clic droit et ici de faire trier de A à Z, comme vous pouvez voir. Et ça fait le même résultat. Le souci, ce sont les espaces. Car déjà, si je regarde par exemple pour filtrer, j'ai bien filtré A, B, C, D, E, F, G, ça n'a pas de souci. Par contre, vous voyez qu'il n'y a que deux portables. Alors, si, imaginons, je décoche tout. Et je prends le premier portable. Il me sélectionne que les portables. Ici, vous voyez, trois espaces entre, trois espaces partout, dont trois espaces entre. Donc, il y a un premier filtre où il va prendre tous les mêmes termes, mais avec des espaces entre les mots. Si je prends le deuxième ordinateur portable, donc je redécoche tout et je prends le deuxième ordinateur portable, eh bien, vous voyez qu'il ne fait aucune différence entre il n'y a pas d'espace, il y a des espaces devant ou il y a des espaces à la fin. Ce que je vais faire, je recoche tout et je vais corriger ces problèmes d'espace. Donc, pour corriger ces problèmes d'espace, je vais agrandir un peu ma colonne, je vais tout simplement utiliser une fonction qui s'appelle Supraespace. Donc, dans l'onglet formule, je la trouve dans l'onglet formule. Et dans l'onglet formule, comme on va supprimer des espaces, c'est plus une fonction qui va correspondre à du texte. Et vous voyez ici toutes les fonctions rangées par thème. Ici, tout ce qui est financier, logique. Et je trouve ici le texte. J'ai toutes des fonctions de texte. Et si je vais voir Supraespace, c'est marqué « Supprime tous les espaces d'une chaîne de caractères, sauf les espaces simples entre les mots ». Donc ici, il va supprimer tous les espaces donc avant, après. Et par contre, entre les mots, il ne laissera qu'un seul espace et supprimera ceux qui sont redondants. Donc, je vais utiliser Supraespace. Il me demande de rentrer le texte. Bon, ici, c'est normal. Donc, aucune action, aucune correction, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va voir pour celui qui est ici avec trois espaces devant. Alors, bien sûr, au lieu d'aller dans Formule, Texte, et de le faire, je peux mettre égal pour passer en mode calcul fonction. Commencer à écrire Supraespace. Voilà qui est ici. Je clique dessus. Je peux donc double-cliquer sur Supraespace ou l'écrire directement en mettant une parenthèse à la fin et de prendre le texte. Voyons voir s'il supprime effectivement les espaces devant. Pas de souci, vous voyez que les espaces ont bien été supprimés. Et maintenant ici, vous voyez, j'étais avec un décalage, ici pas de décalage. Si je prends, alors plutôt que de réécrire chaque fois la fonction, je peux prendre, ici vous voyez avec la petite croix, sur le bord de ma formule, et recopier la formule vers le bas. Et là vous voyez que j'ai bien ordinateur portable écrit de la bonne manière. Les lettres ici, A, B jusqu'à G, impeccable. Et maintenant, voyons voir, si je clique, vous voyez que A, B, C, D, pas de souci. Et je n'ai qu'un seul ordinateur portable. Si je fais trier de A à Z, eh bien, vous voyez, il m'a bien mis tous les A, les B, les C, D, E, F, G, et après, tous les ordinateurs portables. Donc, j'ai bien la possibilité de corriger
quand il y a des espaces donc, qui sont, je dirais, rajoutés grâce à une fonction, je vous remonte la formule, voilà, qui s'appelle supraspace, et en mettant le texte à sup. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Excel.